Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est mardi 28 avril et c'est Français avec Madame Dula. Alors, il y a le journal, les mots qui font changer le verbe, quelle heure est-il, et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire demain, mercredi. Alors, aujourd'hui, on y va, le journal. Alors, c'est ça, le journal. Et la question aujourd'hui, c'est quel est ton mois préféré de l'année et pourquoi? Alors, moi, je ne sais pas, mais peut-être ton mois préféré, c'est euh, décembre. Parce que tu aimes euh, Noël, Anuka, euh, je ne sais pas, les fêtes d'hiver. Peut-être ton mois euh, préféré de l'année, c'est septembre, parce qu'on revient à l'école. Et c'est juste que tu adores être à l'école, et alors voilà. Euh, peut-être c'est euh, juillet? Parce que tu aimes le 14 juillet ou parce que tu aimes avoir des vacances d'été. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est écrire entre trois et cinq phrases pour me décrire quel est ton mois préféré de l'année et pourquoi. Alors, on y va. L'exemple. La date, mardi 28 avril 2020. Et moi, j'écris mon mois préféré de l'année et mai. J'aime ce mois parce que je me suis mariée en mai 2014. J'aime que les fleurs poussent et le temps soit beau. Il y a plus de soleil chaque jour et ça me rend heureuse. Mai est le mois parfait. Alors voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, les mots qui font changer le verbe. Voilà, on est ici. Alors on va commencer avec la boîte violette qui est là, je sais déjà. Je sais déjà. Le verbe s'écrit avec NT au pluriel. J'apprends. Le garçon fait du bruit. Les garçons font du bruit. La fille fait du bruit. Les filles font du bruit. Le poisson nage très vite. Les poissons nagent très vite. Le champion nage très vite. Les champions nagent très vite. Alors, on voit qu'ici, le plus souvent, le verbe se met au pluriel quand le groupe du nom qui est devant est au pluriel. Il commande le verbe. Le groupe du nom qui commande le verbe s'appelle le sujet. Alors, je m'entraîne. Choisis les verbes justes pour compléter les phrases. Alors, phrase A alors, avant de faire ça, on va lire tous les verbes. alors, regarde, son, frappe, regarde et frappe. alors, tous les verbes qui terminent par nt sont pour les sujets au pluriel. alors, ça, ça veut dire qu'il y a regarde, nt, son et frappe, nt, qui sont au pluriel. Alors il faut les groupes du nom au pluriel et il y a frappe e et regarde e qui sont euh, avec, pour les sujets au singulier. Alors on y va phrase A. Le loup hmm, à la porte. Le loup frappe. F R A P P E à la porte. Les enfants hmm, la lune dans le ciel alors on ne peut pas frapper la lune et les enfants ne sont pas la lune alors il faut les enfants regardent e -T, la lune dans le ciel les enfants hmm des mains alors les enfants ne sont pas des mains les enfants Frappe tes mains. Le loup. Hmm, les cochons. Alors, on a déjà utilisé frappe, e. Alors, ça doit être regarde. Le loup regarde les cochons. Et e. Les lions sont dans une cage. Parce que c'est ça qui reste. Et aussi, c'est le mot qui convient. Alors. Numéro 2, copie les phrases. Alors, vous pouvez écrire ou il faut pas. Vraiment, ce qui est important, c'est A, B et C. Alors, A, soulignez tous les groupes du nom en bleu. Alors, vous savez déjà les noms, personnes, objets, endroits, euh, animaux. OK? Les chats sont des animaux. Alors, les chats, groupe du nom saute sur le mur. Alors le mur groupe du nom. Le facteur distribue les lettres. Alors on voit ici qu'il y a toujours 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 un déterminant avant les noms euh, ben, les noms communs. Et alors B souligne tous les verbes en rouge OK? Alors, il n'y a pas beaucoup de mots qui restent. Alors, les chats sautent, E-N-T, sur le mur. Le facteur distribue les lettres. Et finalement, il faut entourer les sujets, les mots qui commandent les verbes. Et alors, ici, ça c'est, phrase 1, ça c'est les chats, parce que c'est les chats qui sautent. Et phrase 2, le facteur. C'est lui qui distribue les lettres. Alors, les deux sujets sont là, les chats et le facteur. Alors, numéro 3. Copie les phrases ou vous pouvez les laisser comme ça. Pardon. OK. Mes frères font les devoirs. Les voitures ont quatre roues. Alors ici, les deux sujets sont au pluriel et il faut commencer à en souligner tous les groupes du nom en bleu et les verbes en rouge. Ok. Alors, mes frères font les devoirs, les voitures ont quatre roues et les verbes font et ont. Et voilà. Et ici, il faut entourer les sujets. Et les sujets ici. Qui est-ce qui fait les devoirs? C'est les frères. Et qui est-ce qui ont quatre roues? C'est les voitures. Alors voilà, mes frères, les voitures. Et numéro 4 Mets les sujets au pluriel. Écris les nouvelles phrases. Alors phrase A, un livre tombe par terre. Ça doit devenir des livres. Tombe, ENT, par terre. Le chat miaule, les chats miaulent. Et le volet claque, les volets claquent, ENT. Alors, voilà les réponses. Des livres tombent par terre. Les chats miaulent, les volets Clac. Et voilà. OK, numéro 5. Écrire trois phrases en choisissant chaque fois un mot dans chaque colonne. OK. Alors, ici, il faut accorder les sujets et les verbes et aussi les déterminants avec les noms. Alors, est-ce que on peut dire une cheminée Non. Une voiture, oui. Alors une voiture et ça c'est au singulier. Alors il faut utiliser un verbe au singulier qui est fume, f-u-m-e. Une voiture fume. Deuxième phrase, des. Alors il faut un sujet au pluriel. Des cheminées fume f-u-m-e-n-t. Et finalement, le voisin fume, F-U-M-E, parce que le voisin, c'est au singulier. Alors voilà, une voiture fume, des cheminées fument, le voisin fume. Et c'est ça pour aujourd'hui. Alors maintenant, quelle heure est-il? Alors, voilà quelle heure est-il. Alors, on va regarder les aiguilles et on va lire l'heure. OK. Première horloge, c'est petite aiguille, c'est presque à 10 heures, mais pas encore. Et grande aiguille, c'est sur 11. Alors, ça veut dire ce que... L'heure, c'est presque 10 heures, mais c'est pas encore arrivé. Alors, sur 11, ça veut dire 55. Alors, c'est 9 heures 55, parce que c'est presque 10 heures. Deuxième horloge. Alors, la petite aiguille, c'est sur 11. Et la grande aiguille, c'est sur 5. Alors, ça veut dire 11 heures 5.

Et finalement, we talk this. Alors voilà, tous les heures, toutes les réponses. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander demain pendant le Zoom. Alors, demain, mercredi 29 avril, il y a Zoom avec moi à 9h et aussi à 1h. 9h pour les rouges, 1h pour les verts. On va faire le sujet cause et effet. Minutes correspondantes. Et pendant le Zoom, on va continuer avec les environnements qu'on a commencé lundi. Et il y a Book Club avec Madame Léon à midi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, à tout à l'heure. Et on se fera demain. Bonne journée!